Bonjour. Alors, vous avez été des centaines de milliers à répondre à ma question dans la dernière vidéo Bon Plan, à savoir est-ce que vous voulez que je vous présente un vrai unboxing de Playmobil Ghostbuster là, voilà. Et puis surtout du Beast, je sais plus quoi là, du truc avec du slime, la Breakout Beasts. Donc des centaines de milliers. Non, je plaisante. En fait, vous avez été que deux, dont la personne qui avait justement fait déjà une vidéo dessus et qui m'avait fait découvrir un peu tout ça, ce qui m'a poussé à être un peu curieux et à prendre ça à action. Donc coucou Papa Blender, Thomas. Coucou aussi à Ludovic Sors, qui donc était le deuxième à se manifester. Voilà, donc du coup je suis obligé d'ouvrir ces trucs-là. J'avoue que j'appréhende énormément. Le méga bloc là, le Playmobil un peu moins. Donc on va commencer par Ghostbusters et puis après on verra. Alors, The Real Ghostbusters, donc SOS Fantôme version Playmobil. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai pris parce que, bon, même si c'était pas spécialement donné, hein, presque 8 euros, la moto en fait me fait penser à du masque et j'avais déjà acheté des jouets Playmobil qui me faisaient penser à du masque. Et donc c'est pas spécialement parce que c'est du SOS Fantôme. Enfin, cela dit, même si effectivement la moto est sympathique. J'avoue que le fait qu'il y ait un personnage avec tous ses accessoires, son Proton Pack et tout ça, ça m'a attiré quand même. Voilà. Puis la boîte est jolie, hein. Faut quand même bien l'admettre. C'est quand même très joli. Ce qui est rigolo, c'est que visiblement, c'est basé non pas sur le film ou les films de SOS Fantôme, mais du dessin animé. Voilà. Ça, je m'en étais pas spécialement rendu compte avec l'achat d'autres Playmobil SOS Fantôme. Donc c'est amusant de le constater ici. C'est pour ça qu'il y a écrit The Real Ghostbusters, puisque donc en fait le souci c'est que quand Ghostbusters a été adapté en animation, ils se sont heurtés à des problèmes de licence de droit, puisque Ghostbusters s'était déjà déposé depuis longtemps par une autre société, avec qui a priori, donc ils n'étaient pas les premiers à s'appeler Ghostbusters, mais qu'importe. Donc on va ouvrir la boîte et voir ce que donnent les 31 pièces qu'elle contient. Eh bien écoutez, je n'ose pas compter le nombre d'années où je n'ai pas monté une boîte Playmobil. Voilà. Je sais même plus si j'avais aidé ma nièce à ouvrir les siens ou si je me suis contenté de lui passer des jouets qui avaient déjà été utilisés. Je ne sais plus. Ça remonte à trop loin. Quoi qu'il en soit, c'était très plaisant. Vraiment très plaisant. Alors j'ai joué au vilain pas beau. J'ai absolument pas utilisé la notice en me disant bah je devrais m'en sortir, mais très clairement donc pour mettre les autocollants faut quand même se servir de tout ça. Je pouvais pas tout deviner par moi-même. Reste que donc pour chipoter un tout petit peu, je trouve quand même assez étrange de la part de Playmobil de laisser un de leur personnage monter sur une moto sans casque, sans protection, en termes de, comment dirais-je, le message auprès des enfants à qui se destine quand même ce genre de jouet. Je ne sais pas si c'est terrible. Et puis bon, bah ce truc-là, c'est pas un vrai casque de protection pour moto, quoi. Voilà. Mais bon, le personnage est sympa. On peut lui faire baisser donc sa visière. Ils auraient pu mettre des autocollants aussi sur donc les lunettes. Mais bon,
Là, il a quand même son petit détecteur de fantômes. Hein, et il est super chouette, ce personnage. Stans, il est super chouette. Le fantôme, le spectre, hein, ils ont rajouté quand même un œil qui déborde de la tête et du crâne. Les cheveux sont verts, il a son œil manquant qui tient dans une main. Il est bien dégueulasse, j'imagine que c'est un zombie. Voilà, et il ne tardera pas à être attrapé ici dans ce piège à fantômes. Voilà, avec ces deux volets qui s'ouvrent. Et d'ailleurs, c'est l'accessoire qui avait besoin le plus d'autocollants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 autocollants quand même à placer là-dessus. Voilà. Et sinon, donc, la moto, franchement, est très bien. Alors déjà, je ne sais pas si on peut appeler ça une moto, parce que c'est pas une deux roues, mais une trois roues, avec deux roues à l'arrière. Vous pouvez donc, visiblement, donc c'est fait en tout cas pour ce modèle là pour Ghostbuster, mais vous pouvez mettre donc le Proton Pack qui normalement va sur le dos de Stance ici. Hop, vous pouvez le mettre donc sur la moto, c'est bien pensé aussi. Même si pour coincer ou attaquer un fantôme, moi je le verrais plutôt avec sur son dos. Hein. Mais ça doit être un sacré équipement à tenir quand même. Donc vous le mettez là, c'est fait pour. Hop. Voilà. Et il peut évidemment enlever le fusil ou je ne sais quoi. Les éclairs, je les ai laissés dessus pour la forme, mais voilà. Sinon, par contre, les missiles, ça s'en va pas avec des ressorts, donc ça va, ça vient. Hein. J'imagine qu'on appuie dessus pour les faire balancer, mais bon. Au moins, sont-ils vert fluo. Moi, j'aime beaucoup, et donc, comme vous voyez, de toute façon, paf, vous faites ça, et c'est rabattu sur ce tricycle. Et vous voyez, c'est quand même assez sympa avec le petit logo SOS Fantôme. Et tout, non, franchement, c'est vachement cool. Et là, il y a le catalogue vraiment autour de la licence SOS Fantôme chez Playmobil. Si je trouve l'Ecto One un jour pas cher, je la prendrai. Mais j'ai comme un doute. Et là, vous avez donc les Playmogrammes 3D. Alors, j'en avais acheté un à Action il y a peut-être un ou deux ans. Et effectivement, les costumes sont différents. J'ai jamais essayé, d'ailleurs je sais même pas si je l'ai ouvert, je sais plus. Et sinon, donc dans les véhicules Real Ghostbusters, donc je vous ai présenté celui-ci, celui que j'ai vu moi dans le Action où je l'ai trouvé, il y avait celui-là. L'hélicoptère, il a l'air pas mal, et là l'espèce d'engin de chantier, il a l'air sympathique aussi, ça m'a l'air un peu plus gros quand même, mais voilà, c'est bien. Et puis c'est évidemment accompagné du catalogue Playmobil complet. Et d'ailleurs, je vois qu'en fait, il date de 2018. Voilà, je ne vous l'ai pas dit depuis le début. Voilà, donc, conclusion. Très beau set Playmobil. Vraiment, c'était pas donné. Mais franchement, je suis content de l'avoir pris. Alors maintenant, on va passer à Breakout Beast. Hein, il n'y a pas le choix. Voilà. Bon, j'ai perdu patience, je vous l'avoue. Ce slime était beaucoup trop liquide et trop visqueux pour moi. Je voyais pas comment pouvoir enlever tout ça, pièce par pièce et tout. C'était vraiment, vraiment pas génial, en tout cas pour moi. Donc voilà, je les ai passés à l'eau chaude, mes mains aussi. Hein. Je pense qu'il en reste quand même encore un petit peu ici et là, d'après ce que je vois. Hein, voilà, soyez rassurés. Mais alors c'est vraiment pas ma cam. Mais alors vraiment pas du tout. Je vais également du coup vous épargner de me voir en train de monter ce truc. Et je vais faire un petit peu de magie. Allez hop.
Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, c'était simple. Hein. Donc, je vous avoue très sincèrement, je ne suis pas forcément déçu par cette figurine ou par ce montage. J'ai pas apprécié l'expérience, ça c'est clair. Maintenant, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Par exemple, le point positif, c'est que je sais enfin comment utiliser cet œuf, puisque ça sert à mettre ça là. Voilà, vous avez ce petit truc violet qui peut se mettre là-dessus. Là, vous mettez cette petite tige transparente et ça vous permet de faire tenir votre figurine comme vous l'entendez. Donc, comme ça, par exemple. Hein? Ou alors, éventuellement, si ça tient, hein? Faire tenir comme ça. Ici, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Le slime, je suis pas trop fan. Mais voilà. Donc, pour ce Pégase, par contre, les ailes, au début, j'ai cru que c'était deux fois les mêmes. C'est possible aussi. Mais vous voyez que c'est complètement déformé. Donc, il faut les remettre dans l'eau chaude pour pouvoir leur donner une forme acceptable. La forme générale du truc, franchement, déjà, c'est beaucoup trop mou pour moi. Je peux pas en faire grand-chose. Pour un jouet pour les mômes, ça, c'est super. Je discute même pas de cet aspect-là. C'est juste grandiose. Mais très clairement, donc, je me suis laissé emporter par la hype. Donc, grâce à la vidéo du Papa Blender. C'est de ta faute, Thomas. Mais bon, moi, j'aurais préféré quand même tomber sur un démon. Et j'espérais un plastique un petit peu plus dur que ça. Donc, du coup, j'ai Freezer. Ça plaira aux fans de Dragon Ball Z. Mais vous voyez que il y a d'autres créatures qui existent apparemment. Blazor, Rivenbeak, Sharkholt, Golden Growl, Clawshock, Psy, Scorch, Slitstorm, Fandrin et Freezer. Donc j'ai le dernier. Voilà, tous les autres, sincèrement, c'était les plus cool. Et moi j'ai eu le Pégase. Ah là, ah là, voilà, voilà. Donc, c'est pas de sa faute, hein. C'est juste que, bon, j'aurais préféré un dragon ou un démon. Ça leur aurait fait quand même nettement mieux. Mais voilà, au moins c'est fait. C'est fait, je vous ai ouvert donc ces deux objets achetés à Action, qui étaient donc le set Playmobil Ghostbusters et l'œuf Breakout Beast de Megablock. Bon, voilà, c'est fait. J'espère que vous êtes contents. Un recoucou à Thomas, Papa Blender, et à Ludovic, les seuls à m'avoir invité à ouvrir donc le Breakout Beasts. J'ai fait quand même le Playmobil en même temps. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Renseignez un petit peu plus sur ces deux objets que je vous ai recommandés lors du dernier bon plan. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé la même chose dans votre action de votre région, supposée qu'il soit ouvert dans les conditions actuelles. N'hésitez pas à me dire donc tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis peut-être à très bientôt pour un autre unboxing.